Allez, salut à tous, c'est Tank et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 24 sur XCOM. Alors, comme d'habitude, petit récapitulatif sur les derniers épisodes, rien de bien méchant, à part qu'on s'est quand même fait légèrement exterminer par envahi plutôt par des vaisseaux aliens. On a eu 4 vaisseaux, je crois, en très très peu de temps et aucun moyen de riposte. Pour la simple et bonne raison qu'on avait plus d'avions dans l'Amérique du Nord. Donc là, ils sont quasiment tous réparés, il n'y a plus que celui d'Europe. Ça devrait le faire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a fait quoi? Des petites missions, enfin une petite mission en rescousse de civils qui s'est quand même plutôt bien passée. Bon, même si on a perdu quand même pas mal de civils. On va intervenir dès maintenant. Commandant, on nous signale plusieurs tentatives d'enlèvement. Leur emplacement est indiqué sur l'hologlobe. Sang, mais par contre t'as quasiment rien, États-Unis. Ouais, je pars là-dessus. Parce que je vous rappelle que j'essaie quand même d'avoir le haut pour avoir le bonus de jackpot. Donc je pars sur ouais, pour avoir un grenadier, ça peut être utile. Allez, on est parti. Alors, tant que Seb le second, toi tu vires et toi tu vires aussi. Il me faut un sapeur. On va prendre Simba. Ah oui, pour le moment je peux pas prendre les autres, je vous rappelle qu'ils sont blessés, j'en ai deux de blessés. Mais ça devrait quand même le faire sans aucun souci. Non, tu vas rester comme ça. Commando, ok, il me faut donc un nouveau commando. Alors hop, hop. Si je prends le champ de côté, et donc un commando, 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 je sais que j'en ai, voilà. J'en ai qu'un? Est-ce que l'autre est blessé? Ah oui! On va prendre notre Kojo. Donc vous voyez, j'ai déjà tout changé de couleur. Ça, c'est cool. Et oui, tu vas prendre la grenade avec toi. J'avais oublié de faire un truc. Je suis en train de regarder un truc. J'ai pas d'armure de fitine. J'en ai pas. Ouais, donc, faire un retour au briefing. Retour ici. Ingénierie. Je pense que je peux pas parce que j'ai pas assez de sous. Parce que j'aurais bien fait petite armure de chitine pour protéger certaines personnes. 51. Recherche ici, prod 58. Il faudrait 69 parce que je vais essayer de faire une petite armure aussi classique. Planeur, planeur lourd. Allumette, allumette, sectoïde. Que là, c'est juste les stimulants. Les stimulants, je les ferai pas. Ça fait des jours qu'on est là-dessus. Tout ce que je veux, c'est mon lit. Voilà. Ingénierie, production. Alors, tu me balances une armure de chitine. Voilà, et un autre filet à la fibre. Et voilà, j'ai plus de sous. Je sais, ne vous inquiétez pas, c'est totalement volontaire. Hop, enlèvement, et on a dit New York, États-Unis. Alors, pourquoi j'ai dit que je voulais tout ceci? Parce que, déjà, hop, elle vous rappelle deux emplacements, et il lui faut une petite armure supplémentaire. Je prends une armure classique. Ça lui sert pas à grand chose pour le moment, attends, on va pas avoir chopé le titan. Hop. Toi, vu que j'ai besoin toujours d'un. Voilà. D'un grenadier, je te garde. Et toi, m'en fous un petit peu complètement même d'ailleurs. Petit nouveau, tu prends ceci. Medikit, c'est tout à fait logique. Fibre. Allez, parti.
Donc vous voyez que j'ai remis quand même un duel de protection, parce qu'on sait jamais, ça peut être utile. Alors, je pense que déjà vous avez pu me demander pourquoi, sur le serpent RK en poche, je ne lui ai pas mis un second medikit, justement parce qu'on ne peut pas. La zone d'opération est aux États-Unis. C'est un medikit par sapeur, donc c'est un peu le souci, c'est vrai que ça ferait. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. C'est celle avec le train, ouais, ça devrait aller, c'est pas trop compliqué cette carte là. Donc on est parti là-dessus. Comme là, je me suis fait une petite session de deux épisodes. Hein. Ça, attends, je pense que vous avez l'habitude là-dessus. Ici Rapace, répondez QG. L'équipe Strike a atteint la Zedo. Demandons autorisation de se déployer. Bien reçu, Rapace. Allez. Strike One a la permission d'attaquer. Commando. Hop, ici. Ah, putain, tu as le commando qu'il faut pas perdre du tout parce que c'est une grosse armure. Toi, tu as sa peu, ça va perdre non plus. Faut pas que je perde la sommissivité. C'est pas, mais pas une question de toi, je peux pas le perdre. Toi, je peux le perdre, tu sais. Je ne dois pas les perdre. Simplement. Ah, je vais essayer de me déployer surtout sur les côtés. Vous le voyez, c'est pas forcément la bonne idée. Mais on va faire ça avec. Pourquoi je parle d'ailleurs tout bas là, ce coup? C'est n'importe quoi. Hop, tu restes là. Voilà. Donc dès qu'on va voir un petit peu les ressources là, par rapport au rapport du conseil, j'espère que c'est... Oh, j'espère qu'on va avoir un peu de sous quand même, ce serait cool. Très très mal touché lui. Dommage. Ça aurait été bien. Alors, justement là, il faut que je m'arrange pour réussir à ramener le berserker vers moi. Donc là normalement... Pas grave, mettons en vigilance ici. Le sale gosse. Poursuivez-les. Fusillade. Là derrière, tu t'es protégé totalement. Voilà. Non ! Non, pas deux ! Non ! Pourquoi je me suis déplacé ? Donc il faut que tu touches à Berserker. Allez. Le premier qui va sous la main. Je fais pas de cadeau. Voilà. 7 dans sa tête. Ensuite, tu vas t'approcher, normalement le sapin va te toucher. Voilà, je l'avais dit. Tu le rates, en plus de ça, t'es vraiment mauvaise. Renforce, tu changes ton arme, toi d'ailleurs. Donc, toi. Non, toi je te décale pas, c'est toi qu'il faut que je te bouge ici. T'en as plein. Je sais. Mais pour le moment, je ne la fais pas jouer. Ensuite, toi. Je pense que j'ai pas le choix. Oui. Non, pas toi. C'est toi du jeu. Si je te décale là, tu l'as toujours? Oui. Et tu le loupes. Oui. Je règle mon viseur. Ouais. Donc toi, je vais te mettre un petit peu plus en hauteur. Ouais, tu touches un point de dégâts. C'est que dalle un point de dégâts. Ah oui, je vous rappelle, les petits ralentissements sont totalement normal. Hein. C'est dû au jeu. Je sais pas du tout pourquoi les... avec un sens de coup critique, on va partir sur un tir classique. 7. Pas être critique, mais ne vous inquiétez pas, c'est très bien au prochain tour. Par contre, je vais s'approcher vers le sniper, c'est pas cool. Et là, j'ai deux balles lourdes qui se ramènent. Donc là, vous voyez, je suis en train de me faire totalement envahir.
Et je peux pas reculer, cher. Oh, dernier retranchement. Et toi, tu recules. C'est très très bien. Très 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 bien vu, monsieur le Berdecker. Merci. Peut-être une chance de pas trop finir en pâture. Donc là, on va prendre un petit peu de dégâts. Ouf. Je crois que un petit peu, c'est pas la même chose pour tout le monde, ça. Toi, tu peux venir ici. Alors, tu as le petit sapeur qui sert à rien, entre guillemets. On va te remettre sur pied. Voilà, tu la soignes un petit peu. Ça, c'est fait. Toi, je vais le garder pour tirer sur deux Tanyan. Tu pourrais me tirer une roquette là-bas? Oui, tu peux. Ben, j'y réfléchis même pas. Mais je t'ai demandé de tirer la roquette. Tu me la tires? Oh là, le cul! C'est juste que je me trompe de bouton en fait, ça le peut pas. Voilà, ça c'est fait. Toi, ensuite, tu me le shoot lui. S'il te plaît, tu le shoot toi. Et voilà, un point de dégâts, c'est que là. Toi, tu vois quoi? Ça, ça. Bon, lui là-bas, 85%. Un petit plateau pour un petit peu augmenter de niveau comme ça après. Ensuite, toi. T'en vois 3. Ah, mais il y en a un là. 49, 89, 41, 89 pour toi. Alien neutralisé. Il reste plus que toi qui en voit un. Loupé, dommage. T'as bien mis visible pour ça. Donc toi tu fais rien. Il se replie en avant. Alors coup tu tiens. Cette pointe de dégâts a pris un peu cher, elle a pris un peu cher. Elle a pris un peu cher. Et lui, il revient. Non, tu reviens. Ok. Donc c'est bon, c'est lui en priorité. Ne vous inquiétez pas pour ça. Goliath, Goliath. Ça t'était pas plus mieux. C'est le prendre à revers. C'est... Non. Bah oui, mais j'ai plus rien pour la stabiliser. Non. Oh putain de merde. Ça sent pas bon. Alors. Ah oui, parce que toi t'as plus rien du tout. Tu peux pas stabiliser, tu peux rien faire. C'est un fumigène. Wouhou. Bon, c'est des gros critiques dans leur tête. Alors, alors toi tu envoies un complètement à découvert là-bas. Bah, tu shoot le. Il est pour toi, je te le laisser. Ouais, ça c'est cool, tu prends en plus un grade. Toi, tu te rapproches ici et tu prends voilà le Berserker. 2 points de dégâts, c'est pas un souci. Ça touche, c'est le principal. Le sapeur, je peux te décaler là ou pas sans risque? Je suis pas sûr. Si normalement t'as pas de risque, je vais toucher de côté. Ça c'est fait, toi t'envoies 2. 94, 95, 95 d'abord. Enfin, dis-moi qu'il lance cible facile. Les deux. Je m'en suis occupé. Non, dommage. Alors pour le moment j'ai vu qu'il reste juste 2 Goliath. Donc avec un coup de bol on va pouvoir les buter et repartir vivant avec l'opportunité, mais je ne suis pas sûr du tout. Hein. J'ai bien peur de la perdre, c'est un peu le souci. Non, reculez pas, reculez pas.
bien balancer directement corps à corps, toi. Je dois recharger. Mais ça peut être possible du tout. Alors. Ouais, alors là, je les balance directement en sprint. Juste vraiment pour savoir où est l'autre unité. Je vais porter le coup de grâce. Vigilance. Putain, c'est beau, il est rendu loin. Et donc le sniper ici. Enfin la sniper. C'est les termites, c'est pour ça. Ouais, t'as raison, rapproche-toi. Dommage. Le tir n'a pas ses mouches. Je dois recharger. Ce qui serait cool, c'est que ce soit vraiment le dernier. Comme ça, après, c'est sûr, on repart avec notre unité. Dans un état quand même critique, mais on repart quand même avec. Toi, tu vois. Allez, shoot-le. Il est à 2 mètres. L'ennemi respire encore. Mais ils sont à 2 mètres. J'ai plus rien à tirer. J'aime pas ça du tout. Ah là, je suis sérieux sur les mètres en plus. Décale-toi ici, ils sont des protégés. Fais un coup de tigre dans ta tête. Adieu. Faut que je recharge. Et c'était pas le dernier. Donc je pense qu'on a perdu une unité. Hein. Chargé et paré. Donc ça c'est moisi, nous avons perdu un sabre, c'est quand même bien haut gradé. Mais ça c'est pas cool, hein. C'est pas cool ça. Ah, j'aime pas ça. Nous n'avons plus de sapeur en plus pour la mission. Ça pue là. Je préfère vous le dire clairement, je pense que ça pue un petit peu. De toute façon, c'est daubé du cul. On peut y aller. Ah, j'ai droit un petit peu en sprint, ouais, je sais. Cette mission est dopée du cul. Va falloir quand même réussir à augmenter les autres sapeurs un petit peu parce que là c'est pas cool, c'est pas cool. Non, j'ai pas à t'envoyer sur le toit parce que tu seras plus protégé. Opportuniste. Je sais pas trop où ils sont là, hein. Je m'approche un petit peu plus doucement que d'habitude, vous voyez, en plus je ne parle plus. Charge, et toi tu vas là. En deux temps. D'où vient ce bruit? Ils sont vraiment loin, j'ai l'impression. Alors, apparemment, ce serait dégueulasse par rapport au bruit que j'ai pu entendre. Démolir.
Putain, y'a toujours personne quoi. Pas cool, c'est pas cool ça. C'est pareil, je renvoie en vigilance, pas en vigilance, en fusillade là ici. Alors oui, sinon, je reviens un petit peu sur des choses qu'on avait dites avec Iso. Ouais, on avait dit qu'on ferait normalement des petites séries tous les deux en 1 contre 1. Le problème étant, donc là je sais pas si vous pourrez m'aider ou pas, hein, c'est un petit souci qu'on a rencontré avec Iso. C'est quand on zone forcément, on se met sur TS ou sur Skype, c'est toujours la même erreur, enfin le même problème qu'on a. On a en fait un écho, enfin s'entend surtout en double. C'est-à-dire une fois sur le TS et une fois sur le jeu. Donc, on ne sait pas si c'est Steam qui nous embête ou si c'est le jeu, on ne sait pas trop d'où ça peut venir. Donc voilà, vraiment c'est pour ça qu'on ne tourne pas là-dessus, on ne peut pas trop tourner avec un double son, c'est pas cool du tout. Ou alors il faudrait qu'on passe super bas. Et là c'est pas cool non plus. Donc pour le moment on va essayer de régler nos petits soucis dès qu'on trouvera le temps. Et on retournera ça, vous inquiétez pas. Allez, je m'occupe du Berserker dès maintenant. Voilà, petit coup de neuf dans sa tête. Moins de 4 cases, tu refais un peu dessus, tu coûtes 7 dedans. Ça c'est cool. Sapeur qui est derrière, tu peux tirer toi. Tu le shoot s'il te plaît, tu le shoot. Non mais tu peux pas le rater ça. Le tir n'a pas fait mouche. Le commando. Un peu de dégâts. Oh non mais ils sont à 2 mètres, ça fait qu'un peu de dégâts. Vous vous étonnez qu'après il y ait des meurtres aussi dans les jeux. Tiens, une bonne chose. Cible facile. Parce que ceci ça me sert à rien, alors je le jette. On va mieux voir la zone. C'est parce que si je vais pas le mettre en vigilance. Ah ils sont juste là. Coucou. Oh elle est mal placée. Ouais elle, mais elle a rien à dire. Bon allez, t'as fait ton choix. Tu l'as bien raté. Ouais, il me contourne. Bon c'est pas grave, il est passé en sprint. De toute façon, il est mort au prochain tour. Et toi? Critique. Aïe, ça pique. Alors, non, pas sur lui, sur lui. Voilà, toi t'es mort. Je suis en cible facile. Allez, tu fais le deuxième. Non, tu peux pas, je sais que tu peux pas enterrer la tête. Voilà, grâce à... Non, c'est lui pour finir la mission. Mais j'ai perdu une unité, ça me... On a réussi, commandant. Et puis bon, on est déjà à 25 minutes, ça sert à rien d'aller de ralentir. Comme je suis en train de faire par moment, donc là je sais que je pouvais d'avoir, j'ai fini la mission. Hein, c'est tout. Je sais plus lesquels en plus, les promotions, c'est nul. Bon, alors par contre, petit souci, bon, on a gagné un grenadier. Ça c'est cool. Par contre, nous avons perdu un sapeur. Ça c'est cool. Un bon sapeur en plus, donc c'est vraiment pas cool du tout. On va se refaire avec les autres sapeurs qui vont arriver derrière, je l'espère. Le problème c'est que bon, c'est comme ça, deux nouvelles recrues en sapeurs. C'est pas forcément cool, surtout à ce niveau là, parce qu'ils ont plus que un medikit et pas trois. Ouais, il reste une seule. C'est pas grave, ça va le faire.
Ouais, et je savais que c'était elle qui l'avait. Es-tu roquette perforante ou suppression roquette perforante? Voilà. Donc ouais, perdu. 8 missions quand même. On voyait quand même, ça commence déjà à avoir des grosses unités à chaque fois. Voilà, plus de petites, les sectoïdes, les lieutenant Christian. Bon. N'oubliez pas, nous vous observons. Je sais. Hop, et c'est le pote. Alors, requête. Physiographique. Requête performante. Munitions t-char. Si, si. Et zone à risque. Voilà. Équipement. Non, pas de titan pour le moment. Pas toi. Personnalisé. Déco de l'armure. Forcément celle-ci. Ouais. Et casque, vu que tu es un VIP entre guillemets. Voilà. Tu es notre VIP, tu gardes tes lunettes, ça sera cool. C'est tout, hein. C'est juste pour ça. Donc là-dessus, ça s'est bien passé. Nous allons faire. Voilà. Hop. Merci, ça c'est fait. Nouvelle recherche, je pense que je vais pas pouvoir la faire, mais on va pouvoir fabriquer la lance à fusion. Voilà, pour les avions. Et là, il me le faut absolument, il me faut encore des fragments d'armes. J'ai toujours pas assez de fragments d'armes pour faire cette recherche. Rapport du conseil dans 2 jours. Pas le scope maintenant. De toute façon, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous pour le moment. Réception voilà. D'une transmission. Alors, voyons ce qu'il va nous dire le conseil. Commandant. Royaume-Uni et Brésil sont partis. Le conseil. Ça, je m'en doutais un petit peu. Ça fait 2 en moins. Rang F. Oh là. Délicate. Je m'inquiète pour XCOM, commandant. Les récents désengagements du conseil ne présagent rien de bon. Ouais, là, c'est clair. Commandant, nous ne sommes pas entièrement satisfaits de la manière dont vous abordez le problème des extraterrestres ces derniers temps. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un projet ambitieux, mais si nous ne voyons aucune amélioration de vos performances, nous devrons reconsidérer notre participation. Donc, mission pas top, nous sommes en F, ça c'est pas cool du tout. Bon, quand même, activité XCOM, durant le mois de d'août, nous avons fait mission du conseil terminée 1, ça c'est cool. Attaque stoppée 1, enlèvement stoppé 1, satellite lancé 2, projet de recherche terminé 3, par contre nous avons perdu 2 satellites, donc ça c'était un peu utile, et ovni manqué, 7 ovni manqués, c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Nous vous recontacterons, cool. Commandant. Je sais, mais là j'ai 3 satellites qui arrivent. Commandant, nos satellites sont parés au lancement, on est prêt à les déployer. Vous inquiétez pas, là ça va être vite réglé, c'est-à-dire que toi, Canada, t'en prends un, ça c'est pas un souci. États-Unis, tu en prends un. Satellite lancé. Ok. Afrique du Sud, hop. Satellite lancé. Voilà, comme ça j'ai récupéré le jackpot et la domination aérienne dans ce truc-là. Par contre, j'ai plus que 3 petits là. 3 petits et encore 3 pays et je suis mort. Je vous dis clairement, là après ça va plus. Donc il me reste Russie et encore Australie. Peut-être je peux envoyer encore des. Des satellites, ok. J'ai plus déjà 3, j'ai 360 et tout ce que j'ai. Wouhou! Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Voici, j'ai quand même nous sommes scope. Toujours ravis de recevoir de l'aide. Faut que j'en fasse 2. Hop. Salle de surveillance. 57 de récompense. J'envoie. Ok. Recherche, je peux toujours pas la faire. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche. Que si je peux pas le faire, pour le moment, je peux pas. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Alors, Titan, ok. On va partir quand même. On va essayer de faire un petit peu d'autres armes. Par contre, je suis à 242, c'est énorme. Alors, si j'en fais 2, je peux en faire 2. Hop. Voilà, les commandos sont équipés.
ça c'est des armes pour les commandos, là, je vous le dis clairement. Ça vaut mieux pour eux. Générateur, faut que j'en fasse un autre ici. Une fois ici. Ça, après je ferai générateur à vapeur. Ça ne posera pas de soucis. Là, liste des soldats, on va se faire un petit peu le tri. On va retourner là-dessus. Hop, équipement, toi tu changes. Tu prends ceci. Vous allez voir, cette arme est quand même bien plus puissante et bien plus précise. Vous verrez, ça va être très sympa pour eux. Ensuite, snipeuse, toi tu peux pas changer, tu ne changes rien. Toi tu vas récupérer donc le stock de notre grenadière qui est ici, Thunder. Équipement, tu repars en protection classique, une arme classique, grenade. T'as fait une mission, t'inquiète pas, mais je vais prendre bot parce qu'il est plus haut gradé, tout simplement. C'est juste pour ça que je le prends. Allons cuisine. Voilà. Ensuite, nous avons sapeur. Donc la poupette. Qui ne va pas changer. Si. Hop. Ah, mais t'es en 3 toi. Toi, faut que je te garde. Ensuite, il me faut quoi? Un autre sapeur. Qui est donc. Non, retour. Eh oh, il est fou quoi. On va garder Simba Mochouli. Et il me manque quoi? Un commando. Commando dans un jour. Donc c'est bon pour la prochaine mission. Ça devrait le faire. Donc voilà, dans 4 jours, nous avons satellite sur les États-Unis, sur l'Amérique du Sud. Afrique du Sud plutôt. Et au Canada. Pour le moment, rien d'autre. J'espère juste avoir quand même. Je regarde juste un truc, voilà, Goliath. Je peux en vendre, Berserker, je peux en vendre. Kesali, je garde, hein, je vous rappelle, on sait jamais pour refaire des armures de chitine. Planeur lourd. Hop là, 33. Je peux faire quoi avec 33? Pas grand chose hein, quand même. Hein. Même que là. Ici rien. Si avec 33, je peux faire un exosquelette ou une carapace. 55, dommage. Canon laser 10. Ok, ça marche. Bon, alors, on va finir sur ça. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Nous sommes le 1er septembre, donc 2015. Ça, on s'en fout. Donc, ouais, sur ce, je vais finir l'épisode ici. On va la semaine prochaine. La prochaine fois, parce que je crois que la semaine prochaine, parce que ce sera vendredi. La prochaine fois, je vous retrouve. On va essayer de booster un petit peu plus. Et sachant qu'il faut regarder un petit peu les objectifs. Il faut que je mette au point l'avion de combat avancé. C'est-à-dire, l'avion de combat avancé, c'est cette recherche-là. Pour faire donc le nouvel avion, il faudrait que je fasse ça. Une fois que ceci est fait, il faut que j'intercepte l'OVNI superviseur et que j'attaque l'épave de l'OVNI superviseur. Donc ça va quand même demander de quoi faire, encore une fois. Mais bon, on a quand même envoyé 3 satellites. Je vous rappelle, donc on récupère 80, 120, ça fait 200, plus 110, ça fait 310 en plus le mois prochain. On risque de récupérer un petit peu plus d'argent, ça va être cool. Par contre, faut absolument pas que je perde encore 2 autres pays. On va dire que là j'ai la Russie, l'Australie, pour le moment c'est bon. Faut que je fasse gaffe au Nigeria et à l'Allemagne, parce qu'ils sont en train de monter à 3. C'est pas cool, les autres ils sont 1, 2, ça c'est bon. 3 ça passe, faut pas que ça monte à 4, hein. Mais là faut que je fasse gaffe, vous voyez, ici, c'est pas cool. Donc on se retrouve vendredi dans l'épisode 25 et je vous dis à très vite tout le monde, salut tout le monde.